Ah, je commence un petit peu à m'y faire hein, quand même. Bon, ben, salut tout le monde, on se retrouve pour la suite de Half-Life Alyx sur VR PC. Donc on va reprendre où on était arrêté sur l'ancienne partie. J'ai réétalonné un petit peu le son, j'ai baissé un petit peu le son du micro. Donc micro d'ailleurs, c'est des doubles micros sur le HP Reverb G2. Qui sont plutôt de bonne qualité. Bon, ils captent quand même bien les bruits ambiants. Hein. Bon, ça va, j'ai pas de bruit à côté de chez moi, donc c'est pas trop parasitant. Bon alors, où est-ce qu'on en était? On s'en fout. Je suis déjà trop près du mur invisible. Voilà. Qu'est-ce qui me restait comme boulette. J'ai gardé la petite mitrailleuse quand même. On sait jamais. Ouais, je pense qu'il faut que j'aille en bas. Oh merde. Oh non, il y a encore le cartel, quoi. Bien fait de venir là. De la résine, ça je prends. Ah, fabricateur, t'es une grenade. Ça m'agace vraiment de pas pouvoir les foutre dans mon sac. Je vais les laisser par terre. Bon, 20. Je sais pas si je vais pouvoir faire grand chose avec ça. Mais ça m'amuse toujours autant. Ouais, je sais pas. On va voir ce qu'il propose. Ah oui! Bien sûr, je vais avoir la séquence avec les petits niveaux à la con, hein. Ça doit être par là, je présume, je sais pas. Non. Non. Ça oui. Alors c'est peut-être ça. Viens là toi. Non, c'est pas ça. Voilà. Ah bah ah oui, d'accord, oui. Je suis con, il y a encore une autre énigme. Pas trop là. C'est projeté de là-bas. Non, visiblement, c'est projeté de là. Bah, ça fait un angle à 90 et j'ai un trait droit à tirer. Je comprends pas trop. C'est quoi cette connerie? Non, mais j'oublie. Ah, voilà. Et que je prenne un peu de recul. Alors. Allez, putain, incline-toi. Voilà. Bon alors. Faut que j'essaye de foutre des grenades là-dedans. Non, ah ouais, j'ai oublié, c'était 40. Oh merde. Ouais, je vais pas avoir grand-chose, quoi.
Là, j'avais rien, je crois, sur celui-là. Non, pas sur ça, sur ça. 25. Non, reprends l'arme. Viseur point central. Ah, je sais pas, est-ce que je mets de côté ou est-ce que. Oh, j'en sais rien. J'ai l'impression que je suis pas super loin de la fin, donc je sais pas trop. Bon, je vais foutre de côté pour l'instant, je vais me débrouiller comme ça. Rends-moi mon flingue. Voilà. Bon. Ah bah, il y avait un chargeur là, je l'avais même pas vu. Je vais récupérer la grenade. Voilà. Et du coup, je sais pas. Je vais passer par là, ça a l'air. On se détend là. Ça a l'air moins haut. Voilà. Alors, j'entends une bête. Je sais pas où elle est. Ah oui, allez, ça y est. Là-bas. C'est quoi ça? Oui, mais je sais comment me téléporter, c'est bon, j'ai compris. Ah bah t'es, j'ai bien fait de venir là. Voilà. Un petit peu de résine, je prends. Ah. Non, je peux pas sauter là. Non, non. Bon, alors visiblement, faut que je suive le câble orange. Et si je tombe sur le tuyau là? Ah, je vais jamais pouvoir y aller. Voilà. Ça. Ah si, j'ai l'impression que je peux y aller quand même. Bon, je vais pas tenter le diable, on va aller voir là-bas ce qu'il y a. J'ai toujours ma grenade. Un chargeur, je prends. Un cône, je prends pas. Oh oh. Merde. Je sais pas ce qu'ils ont avec leur radio là, je sais pas du tout ce que c'est là. Bon allez, on va avancer parce que moi je pourrais jouer des heures à faire des conneries comme ça. Ouais bon. Ah les enfoirés. Ah non mais... En fait, c'est sûr qu'il faut passer là. Allez, hop, on s'accroupit et on va passer là-dedans. M'avez pas vu les gars. Vous savez pas où je suis. Hein. Oula. Je peux me relever là? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ce bruit? Ah mais non, je peux pas... Putain, parce que moi j'escalade la rambarde en vrai là. Je peux pas là. Ça c'est un peu con par contre. Et ouais, et puis là le mur est plein. Bon. On va se rebaisser, on va aller voir là-bas ce qu'il y a.
J'ai tapé quoi? L'étagère. Parce que là, voilà. Là, je touche l'étagère, là. Alors, ce que je vais faire, c'est pas grave, on va tricher. Si je me mets comme ça. Je sais que là, je suis un peu plus en couloir, je peux me déplacer un peu plus. Voilà. Alors, des fois, c'est très con. Voilà. How's Dad doing? Does he seem okay? Oh, he's fine, Alex. He's working away over there. Good. Well, thanks. Oh, he is missing a leg, though. Yeah. You know, he was missing a leg before. Right. Well, it's still gone. Thanks, Russ. Sure thing. Alors, des fois, c'est un petit peu bizarre. On est obligé de se baisser pour avancer quelque part. Et là, je pouvais pas essayer d'escalader le truc. Il fallait directement que je pousse le stick gauche vers avant pour qu'il me propose de grimper tout seul, en fait, de me téléporter, quoi, presque. Donc, c'est un petit peu bizarre. Mais bon. Ça, je prends. Je prends aussi. Ça souffle parce que voilà, je l'ai vu à travers, donc on est ouais, donc c'est cité 17 où on est. Hein. Je m'étais trompé, donc non, non, c'est bien, voilà, cité 17. Bien sûr. C'est des gâteaux russes. Et il y en a dedans. M'a fait peur, enculé. Bon, il me reste plus qu'une balle. Une balle en chargeur. Ça, je peux pas, il n'y a pas de poignée. Bon, ça, clairement, il y a quelque chose à faire. Non? Allez, viens là. Non, ça marche pas. Non, mais si, ça va marcher. Ou alors c'est qu'il n'y a pas de jus, peut-être. Je vais continuer là-bas, je vais aller voir, ça se trouve, il y a un truc à activer. Probablement pour remettre le courant. Ah merde, c'est pas cool ça. Sinon, je vais lui lâcher la grenade. Hein. Ça va être vite vu l'histoire. Hein. Je vais pas me prendre la tête. Hein. J'ai que dalle. Bah ouais. Ah mais c'est ça. Hein. Bon. Je vais tenter le coup de la grenade, on va voir ce que ça dit. Non? Merde! J'ai fait le con là. Est-ce que ça l'a tué? Même pas! Ah c'est ma faute là. Eh mais il a lâché de la résine, je crois, non? Parce que j'ai évité de les tuer, mais... Merde, si c'est ça, putain, mais je vais tous les buter alors. Ah voilà, là j'ai eu le bug là. Mais oui, il a lâché de la résine. Non, mais sans déconner.
Non, moi je te bang bang bang. Il a lâché autre chose ou je rêve? Non. Mais oui, il laisse tomber des trucs. Oh merde. Depuis le début du jeu, je les esquive. Oh, pas de chance, celui-là il avait rien du tout. Il a pas tous les atouts. Le pompe. Je suis chargé à fond. Bon. Je suis où là? Ouais. Oh putain. Moi j'allais balancer un pavé dans la gueule du zombie. Hein. Non, pas de téléportation, c'est bon. Oh Alex, are you seeing that? The Vortigaunts are taking down the bus station. Yes. This might work. Alors, je sais, c'est complètement con, mais je vais me redéplacer plusieurs là-bas, je pense. Ah ouais, non, je suis bien contre le mur, c'est bien ce qui me semblait. Je reste là. C'est magnifique. Pourtant, c'est complètement con, hein, le décor. Hein. C'est un JPEG à plat, hein, sauf que là, il en rendu incurvé. On voit que il y a une espèce de, il y a une profondeur, mais avec l'effet de fin de journée, là, l'espèce de brouillard, là, de pollution. En même temps, ça leur permet de tricher un peu aussi pour l'affichage des textures, je présume. Mais franchement, non, mais ça le fait. Hein. C'est vraiment nickel. Hein. Alors clairement, mon petit doigt me dit qu'on va aller vers là, là. Et là, il va y avoir un truc à faire. Parce que là, là, je sais pas, je vois tous ces câbles là. Je sais pas. Mais là, l'échelle là qui est parfaitement. Là aussi, il y en a une autre. On voit qu'il y a des câbles, il y a des trucs, il y a un truc. Ah bah si, on voit qu'il y a un générateur de santé qui est juste en bas. Non, mais c'est sûr qu'on va y aller. Putain, par contre, c'est haut. Faudrait pas que je me casse la gueule, parce que là, ça fait une espèce de chute. Bon, bah. Pourtant, à l'intérieur, il me semblait qu'il y avait. Enfin, on peut descendre dans le niveau là avec l'élévateur. Mais je comprends pas trop là, j'ai l'impression que je passe à côté de quelque chose. Parce que là, si je descends là, mais je suis foutu. Ah non, je peux ouvrir la porte. Ouais, mais je vois pas l'intérêt d'ouvrir la porte, j'étais à côté tout à l'heure. Là-bas, il y a une autre poignée. Alors si. Oh putain. C'est pas passé loin. Voilà. Comme pour de vrai. Ouais, voilà. Donc je reviens. Ok. Bon, là, ça me va jusqu'à présent. Ok. Y a pas une petite connerie derrière les barils là? Non. Non, il n'y a rien du tout. Voilà. Voilà, ça fait château de cartes, mais... Non.
Mais ouais, mais je reviens là. Ouais, voilà, donc. Non, non, mais. Et la porte là-bas. Non, mais en plus. Mais c'est éclairé là-bas. C'est éclairé, donc. Putain, mais il y a des bruits. Et ça tire à la mitrailleuse là quand même. Ça y était pas ce bruit-là tout à l'heure. C'est quoi ce bordel? Ça tire plus. Ça retire. Une caméra de surveillance. Non, c'est pas là-dessus. Mais. Je m'en doutais. En fait, c'est qu'il y a un problème de reconnaissance. Ceci, je le lâche. Alors, normalement, ça se passe pas trop mal pourtant ces trucs-là, mais là. Parce que la main, là, il le fait tout seul, hein. C'est l'index là pour pointer. Mais je passe à travers du bouton et ça marche pas. Alors, est-ce qu'il faut le faire dans l'autre main? Ah, j'y crois pas. Hein. Y a une position? Mais regardez-moi ça! Mais en plus, on voit qu'il y a un contact, donc. Putain, si ça se trouve, faut orienter sa main d'une certaine manière. Et parce que moi, je ferais un truc du style en vrai, hein. Je veux dire, c'est pas. Non mais c'est pas possible, merde. Non mais vous êtes témoin là. Je suis en haut et ça a actionné celui du bas. Oh, c'est un bug. Faut que je décale ma main, c'est ça? Putain, si ça se trouve. Ah ouais, c'est un bug. Mais. Bah, ça marche plus là. Non mais ils se foutent de ma gueule là. Oh putain. Mais regardez le bug sans déconner. La télécommande elle est pas placée où elle devrait être. Ah bah j'aurais pu chercher un moment. Hein. C'est la position dans l'espace qui est pas bon.
Et il faut que j'appuie sur le support supérieur pour actionner le bouton du haut, quoi. Ridicule. Et pourquoi c'est ouvert là? Je peux pas sauter à travers ça, c'est ridicule. Faut que j'aille sur les tuyaux blancs et jaunes. Voilà. Et toi ta gueule en bas. Parce que là c'est bon là. Mais voilà! Ah putain, il me refond le coude là. Je sais pas ce qui s'est passé là, ça a pété. On va dire que c'est pas moi. Et je peux te dire que je descends très vite de cette merde. Allez hop. Ah oui, les petits doigts font de l'informatique, eux. Ils sont très très forts en informatique. Je peux rien faire. Et j'ai jamais demandé mon chapeau de clown. Putain, il aurait pu me filer quelque chose, ce bâtard. Sans déconner. Il y a un truc qui s'excite dehors, là, j'aime pas ça du tout. Ah oui, d'accord, et puis c'est pour ma gueule, quoi. Attention, j'ai un cajot. Attention, cajot en plastique. Non, c'est pas le cajot que je voulais. Je vais essayer de passer. Ah merde, il recule en plus, non. Pas qu'il puisse péter les murs. Par contre, ça a l'air de faire très mal. Je vais la tirer avec une canette. Loupé. Je vais la tirer avec un carton qui passe pas le grillage. Ah oui, mais c'est qu'il a fait ménage. Tu fais ménage? Alors, bah non, faut pas que je descende, je m'en prends plein la gueule. Ah bah non, reste là! J'avais un spot là! Merde, comme ça je vais descendre et puis il va me tomber dessus. Voilà, là je peux pas. Voilà, tac. Y'a rien là-dedans, non, y'a rien. Hop. Oh non, un bidon inflammable. Le bème, c'est que j'ai encore l'étagère. Là, je l'ai plus. Petit, 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 petit. Il va pas venir. Hein. Putain, je vais être obligé d'aller le chercher. Quoi. Alors,
Je sais pas du tout ce que c'est que cette espèce de voix là qui fait peur. Ah, mettez des boulettes. Je vais reculer un peu. Mais où est-ce qu'il est? Merde. Oh, j'aurais intérêt de me méfier là. Oh putain. Mais non, le machine gun. Mais non, ça a disparu! Putain, mais moi je la voulais. Par contre. Voilà. Je me remets une petite dose là parce que ça craint un peu quand même. Bon, bah dommage pour le bidon explosif. Hein. Je l'aurais bien fait péter, mais bon. Je vais pas gâcher des boulettes pour rien. Allons voir là-bas. Je vois plus rien. C'est comment en vrai ça? Le truc c'est qu'on est tellement à l'aise avec la VR qu'on fait plus du tout gaffe à ce qu'il y a autour de nous. C'est pour ça qu'il y a des drames qui peuvent arriver. Donc vous êtes prévenus. Oh, elle est possédée. Il y avait juste un chargeur. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça qui m'intéresse plus en fait. Pour l'instant, c'est la résine qui m'intéresse. Ça, je peux optimiser. Je peux optimiser mes guns. Oh, les sacs de ciment. Voilà. Ça, c'est une caisse. Dedans, je sais qu'il y a un truc d'intéressant parce que supply et elle a le code barre jaune. Vous voyez, c'est même écrit dessus ammo, health, batterie et compagnie. Et voilà, je le casse. Et là, j'avais des munitions pour la mitrailleuse. Pas mal ça. Attends, je t'ai jamais parlé. Attendez, je coupe mon téléphone avec le fameux assistant. Vocal. Je vais pas le dire parce que sinon ça va le réveiller. Je le tiens avec délicatesse. Eh ben tombe. Pourquoi tu tombes sur la... Voilà. En mode ragdoll fou. Je fais un peu de place. Les faire tomber celle-là? Non. Ce qui me semblait, elles ont l'air vachement lourdes. Oh, la sac poubelle, je suis. Putain, alors là, je vais me taper contre quoi là. Non, on peut pas aller bouger les sacs poubelles. Oh, la petite échelle! Et hop là. A
Okay, there's no direct path from where you are to the vault, so you're going to have to snake your way there. Well, it's huge, so it shouldn't be hard to know which way I'm going. I don't understand what they're doing with it here. If this weapon is so powerful, why keep it locked up in a dump like this? My guess is they're trying to find a way to ship it off Earth, back to their home or some other planet. Why not use it here? They already won this war, Alex. Y'a pas un petit item de planqué là, non? Non, malheureusement, je vois pas. Pas d'item, comme par hasard, comme c'est surprenant. Oh, il y a plein de conneries là-dedans. Je suis où là? Oh, il y a une pomme pourrie. Alors, merde, alors là je tape contre ma tour, on va faire gaffe. Je peux pas la prendre, la pomme pourrie? Si. Oh. Je vais leur jeter la gueule. Il y a plein de trucs là-dedans. Du dentifrice. Non. Alors, ce que je vais faire, hop là, comme ça. Non. Oh. De l'acéticide. Et là, je m'en mets dans les yeux. Tcha. Game over. Ça aurait été marrant. Une brosse à cheveux. Une paire de lunettes. Ah ben voilà, de la résine. C'est bien, ça monte. Ça sauve toujours pas là? Ah. Alléluia. Sauf que ça sert à rien, je peux pas retourner là-bas. Ouais, bon, ben on va essayer ça là. Je suis obligé de laisser tomber. Oh putain. Et je pensais pas que je pouvais le récupérer. Hein. Mais regardez-moi ça dans d'odieux le détail. C'est un truc de fou. Oh putain, il y a encore des cheveux et tout, encore un peu de peau. Oh, c'est génial. Ah, oh, il lui manque même des dents et tout. Putain, mais c'est bien fait. Je vais le ranger là. Chut. Chut. Voilà. Merde! Putain, mais on a l'impression que ça bondit d'un coup dessus, quoi. Ah, j'y ai cru, hein. Je croyais vraiment que j'allais l'avoir du premier coup. Non, mais vous déconnez, il était à 5 mm à côté, là. Tu fais quoi dans le Fly Felix? Bah, je joue avec des boules. Cherchez l'erreur. Putain, qu'est-ce que c'est chiant ces trucs. J'arrête. Et là, bizarrement, j'étais à 5 mm. Et non, ça a marché.
Et là, ça a marché. Mais arrêtez de me filer des grenades, je ne peux pas les porter. Je vais essayer. Ah si, merde, je pouvais les porter! Oh, le con! Bon, ce que je vais faire. Toi, pour l'instant, hop. Picouze. Et toi, hop là, tu retournes dans l'inventaire, hop. Moi, je récupère ma pomme pourrie. Mais non, je voulais pas l'acheter. Bonjour. Touche de pompe. Bon, j'ai vu personne, hein. Pour le personnel. Oh, je voulais fermer la porte, merde. Et en plus, je crois bien que je les ai loupés. Tire au pigeon! Bon. Voilà, alors j'ai rebalancé la pomme. Qui c'est? Hein? Encore? Oh, mais les gars, c'est compliqué, les gars. Ah ouais, tu... Ah ouais, des gars très intelligents, hein. Très très... Ouais, moi aussi, ouais. Non! Putain, passe... Non. Oh putain, oh putain. C'est ça, ouais. Comme ça, elle va choper les cadavres derrière. Mais pris pour un débutant ou quoi, là? Putain! Ah ben, eh, voilà. T'avais qu'à pas sauter. Tant pis pour ta gueule. Oh putain, quand je l'ai esquivé, elle est partie dans le bordel avec la langue. Impeccable. Je sais pas si... Non, je vérifie d'abord le... Putain, je fasse gaffe, j'ai plus qu'une balle, là. Sinon, je prends la mitrailleuse, hein. Mais j'ai 40 balles. Ça me pique le nez. Ah oui, merde! Ça, c'est intéressant, ça. Parce que là, tu fais ça.
Et là, et là, et là, et là. Voilà. J'aurais pas fait mieux. Qu'est-ce qu'il y a? Mais je veux pas sauter. Pourquoi vous mettez du tutoriel alors que, à mon avis, je suis pas hyper loin de la fin là? C'est quoi ces bullshit là? Par contre, je suis complètement paumé dans le room scale. Non, je vais faire le tour. Oh, remarque. Oh! Bonjour. Ouais, bah ouais, je sais, il en reste plus beaucoup. Dodo, on a dit. Ouais, non, non, mais c'est sûr qu'il y a autre chose, hein. Alors, de où, je ne sais pas. Oh putain. Alors eux, ils ont des espèces de... Je peux pas les avoir directement. Faut que je réussisse à le faire tomber. Voilà. Leur point faible, en fait, se situe en dessous, hein. Dessus, elles ont une espèce de carapace. Quand vous en avez plusieurs en même temps, c'est très difficile à gérer. Ça pour ça. Mais c'est qu'il y en a un autre là, j'ai intérêt de me méfier. C'est fait exprès? En fait, je crois bien que là. Merde. Je pense qu'il faut passer par-dessus. En fait, j'étais au bon endroit tout à l'heure. Est-ce que là je peux sauter? Non, je ne peux pas sauter. Par contre, je peux me téléporter là-bas. Oups. Je suis tombé dans le trou. C'est pas de ma faute, c'est le jeu. C'est pas moi, hein. Mais voilà. En fait, voilà. Et tout simplement. Et hop, hop, hop. Mais non, je voulais pas ça, moi, merde. Je voulais que le chargeur. Faites chier, les gars. Parce que là, s'il y a ça. C'est qu'il y a une petite saloperie qui rampe là. Hein? Putain, faut pas que je me téléporte. T'as cru que t'allais m'avoir comme ça, sans koukaï. C'est compl... Ah non, j'allais dire, c'est complètement scripté, mais pas vraiment. Oh, putain, mais... Et vous êtes deux, en fait. J'allais voir là-bas. Un peu la mitrailleuse. Oh putain, voilà.
Je l'avais dit, hein, de toute façon, qu'il allait avoir des saloperies comme ça. C'était évident. Il y a un cadavre qui traîne, donc c'est pour me générer un ennemi plus puissant. Mais il y en a encore ou je rêve là? J'espère que c'est pas un puits à spawn, donc je vais fermer la porte. Mais elle est pas rentrée dans mon inventaire. Mais c'est quoi cette merde là? Ah d'accord. Ah des fois c'est quand même imprécis, hein, faut le dire. C'est un petit peu. Après j'ai beaucoup de luminosité dans ma pièce, donc il y a peut-être un petit souci de tracking à ce niveau-là aussi. Hein. Parce qu'il faut pas que votre pièce soit trop lumineuse, ni trop sombre. Faut pas jouer. Alors ce qui est bizarre au début pour le calibrer ce casque, ça ne fonctionnait pas du tout. Il a fallu que je fasse toutes les mises à jour de Windows. Il a fallu faire toutes les mises à jour AMD. Il a fallu faire toutes les mises à jour pour la réalité virtuelle mixte, je sais pas quoi. Les mises à jour Steam. Les mises à jour Steam VR. Et redémarrer, je sais pas combien de fois. Et après, c'est bon. Il a pu se caler tout seul. Et j'ai pu le caler pour le room scale. Et puis ensuite faire les tests, etc. Mais avant, mais impossible. Et j'y ai passé au moins 2 jours. Impossible. Je ne pouvais absolument rien faire, que ce soit en jeu, etc. En fait, le casque, il tombait, en fait, et ça se mettait à pencher comme ça. Enfin, il y avait un gros problème avec l'accéléromètre. Et c'était une catastrophe, quoi. Voilà. Faut le dire. Hein. Donc, heureusement, tout s'est à peu près corrigé. La détection est beaucoup mieux, sauf que, bah oui, là j'ai des piles neuves, donc j'ai viré les vibrations pour gagner en autonomie sur les contrôleurs. Mais, de temps en temps, ça. Bon. Il y a le coût du jeu, il y a aussi le coût des angles morts, parce que sur le casque, vous avez que 4 caméras. Donc quand vous passez les mains derrière, etc., ils ne vous voient pas vraiment. Bon, c'est un petit peu délicat. Voilà. Quand je les baisse aussi le long de mon corps, je sais qu'ils ne les voient pas. Voilà. Il faut que je les commence à l'élever pour qu'ils voient un peu. Et après, c'est bon, il n'y a pas de souci. Il y a quand même des petites lacunes, hein. C'est pas la perfection, ça vaudra jamais des bases que vous mettez dans la pièce. Mais si vous avez essayé le PlayStation VR, on est quand même au-dessus. Le PlayStation VR à côté, ça vous détecte que sur la face de la PlayStation caméra. Disons que derrière, vous passez votre main derrière et tout, ça vous détecte quasiment pas. Enfin, c'est très compliqué avec les moves. Ça marche pas mal, c'est une première expérience qui est très saisissante. Surtout si vous le trouvez à pas cher. Mais là-dessus, voilà, c'est. Mais ça reste un très bon compromis pour ceux qui veulent pas trop mettre d'argent dedans et se faire plaisir de temps en temps, pas jouer tous les jours non plus. Enfin voilà. Après, c'est tout à fait possible d'y jouer tous les jours, hein. Mais vous allez vite voir que le casque est quand même lourd. Là, on est sur un casque qui fait un petit peu plus de 800 grammes, donc on est beaucoup plus léger. Il y a un câble qui est fin, qui fait 7 mètres. Là, le PSVR, on est quand même, suivant la version, moi j'ai le V1, j'ai pas le V2. Les câbles sont lourds, quoi. C'est chiant, il y a la rallonge qui est en plein milieu, ça fait un gros carré un peu plus lourd de quelques grammes. Ouais, on le sent quoi, ça nous tire sur la tête, on le sent. Au bout de plusieurs heures de jeu, bon. Après, ça m'a pas empêché de faire Resident Evil 7 quand il est sorti en VR, et d'y passer plus de 2 heures non-stop, hein, alors que c'était ma première vraie expérience VR. Hein. Donc, d'ailleurs, il y a les vidéos sur ma chaîne, il y a le playthrough complet. Hein. Donc, si vous voulez jeter un œil. Et il était commenté. Je vous invite à jeter un œil si vous avez envie. Et franchement, je recommande. Hein. RE7 VR, ça fait partie pareil des best jeux du VR. Hein. C'est vraiment, vraiment excellent. Eh ben oui, mais la grenade, maintenant, je peux plus. Et voilà. Donc elle reste là-bas. C'est quoi ce bordel, non? Putain, il y a une grenade. Oh,
Je sais même pas ce qui me reste en balle là-dessus. Je peux vous jurer que les murs invisibles, c'est vraiment, vraiment casse-couille. Hein. Ça me casse l'immersion. Après, bon, ça me rappelle à l'ordre aussi, parce que ça m'évite de faire trop de conneries. Hein. C'est bon, je l'ai eu. Eh, franchement, franchement, et en plus j'aurais pu faire péter des grenades, il n'en est rien. Ah ouais, parce que là ils avaient vraiment des grenades, putain, chargé. C'est tout ce qu'il y avait? Parce que là j'ai géré. Hein. Eh, franchement ça va. Ça va, hein. C'est dosable, ça se fait. Oh, dans les chiottes. Alors là, ils ont été vicieux. Je suis où là? On va mettre un peu de verre pilé. Tout va bien, tout est sous contrôle. Ah, je regarde, on sait jamais, hein. J'en ai trouvé un, donc peut-être que les autres ils sont planqués dedans aussi. Moi je sais pas. Hein. Oh putain, il y avait une cartouche. Les cartouches, on peut facilement passer à côté. Elles sont toutes petites. Hein. Et là, il prend une pelle. Non, j'essaye quelque chose. Ouais, quand même, hein. Quand même, j'ai quand même réussi à faire à basculer le bidon. Non, ma main elle est là maintenant. Oh putain. Putain, mais non! Je voulais prendre juste une petite cigarette. C'est de la bonne. Et après, je l'écrase. Vous voyez qu'ils sont vicieux, c'est dans les chiottes. Ils mettent les items dans les chiottes là-dedans. Dans ce jeu. Il faut faire de la place. Ah non. J'ai encore cru que j'avais fait tomber quelque chose, mais non. Non, non. Tout va bien. Alors.
Je suis en train d'essayer de me repérer par rapport à tout à l'heure, là, quand on était haut, mais visiblement. Putain, il y a des grenades partout, j'hallucine. Ce que je vais faire. Déjà. Non. Je vais essayer d'en stocker une. Voilà. Comme ça, si ça se met à chauffer, je balance les deux. Enfin, une par une, mais je vais essayer de viser, mais je vais pas trop chercher à comprendre. Alors, est-ce que la suite est là-bas ou est-ce que... Je comprends pourquoi il y avait les grenades. Oh putain! Finalement, elles vont servir les grenades. Ah ouais, d'accord, donc c'est qu'il y a... Mais je pensais que c'était un gros, j'ai pas trop fait gaffe. Maintenant, il y a des plus petits que des mitraillettes. Et pas ma mitraillette! Mets-toi à genoux et dis-moi que tu m'aimes. N'en dis rien, là. Bah ouais, mais je suis full maintenant, donc vous êtes gentil. Au revoir. J'ai juste voulu faire ça et c'est parti à 10 km. Bon, bah tant pis. Au revoir, merci, hein, comme dirait l'autre. Hein. Là, ils m'ont pas fait un petit cache-cache dans les parpaings, non. Non. Ils ont été sages. Ah merde, j'ai. Elle s'ouvre? Ouais, je pense, ouais. Là, faut mettre la musique de Zelda quand on va pour ouvrir un coffre caché. Y a rien d'autre que du PQ dégueulasse. Bon, ben tant pis. Ça va? Ça va? Ah non, elle s'ouvre pas celle-là. Merde, dommage. Putain, y a un cadavre dans la poubelle. Donc voilà, bah ça c'est la zone. Tout à l'heure, on était environ là-bas. Ouais, non, mais là, ça sent le gunfight. Je croyais que ça pouvait tuer ça. Ça sent le gunfight, mais méchant, quoi. Là, il y a plein d'endroits où monter, se planquer, je le sens pas trop. Là. Et encore, il n'y a que là-bas qu'on serait caché. Hein. Là, on a découvert. Hein. Je vais voir. Je vais voir comment je vais gérer ça, si on y arrive. Eh, mais c'est une caisse cassable, ça. Putain. Il planque des trucs, mais partout. Et j'ai même pas vu qu'il y a un chargeur là. Je sais pas, on entend des bruits bizarres parfois, c'est. Là, voilà, y a rien. Oh putain. Ça va péter! Voilà. Ça me fait économiser un peu de boulettes. Pourvu qu'il soit mort là-bas. Bon.
Voilà, et puis j'ai un passage là. Et j'ai une belle vitre là qui demande qu'à casser. Ah, c'est bizarre quand même. Eh ben, j'ai pas réussi à balancer la chaise. Là, là et là. C'est gentil, mais l'outil multifonction, dès que je m'en approche et que j'utilise, la mine, elle me pète à la gueule alors. Oh putain. Je vais réessayer, mais là, je le sens pas du tout. Non. Non plus. Non plus. Oh, je l'avais encore jamais fait ça, pour le désamorcer. Mais c'est dingue! C'est bon! Première fois que je le désamorce, c'est trop bien. J'ai eu les jetons quand même que ça pète. Donc en fait, non, non, quand on passe devant le faisceau, il devient rouge, ça va, mais en fait... Bah, je sais pas, j'ai dû passer la main devant l'autre fois, je sais pas ce qui s'est passé. Voilà. En plus, là, genre, on pourrait presque ouvrir les portes. Oh putain, il y a encore des mines. Ça va pas me tuer de tomber aussi haut. Ça va. Ah, ça sent la fin du niveau. J'ai rien dit. Oh putain. Là, j'ai pas le droit à l'erreur. Non, mais sans déconner, mais je fais comment là? Ah, et puis ils ont fait exprès, ils ont foutu des items. Ah, puis j'ai laissé ma seringue là-haut aussi. Bon, je vais essayer de désamorcer celle-là. En plus, c'est génial parce qu'on a vraiment l'impression de 3D. On voit vraiment l'espèce de bille holographique là. On la suit. C'est vraiment comme si on l'avait devant nous. On évalue parfaitement la distance, hein. Ça c'est vraiment top. Hein. Ça par contre, ça c'est merdique parce que là, oh putain, faut que j'aille les couper. En fait, c'était juste pour venir prendre ça, quoi.
m'en fous un peu en fait. C'est pas ça que je voulais. Je pensais que c'était un passage plus rapide. Il y a de la résine là-bas. Je présume que si le truc rouge nous touche, je pense qu'elle explose. Mais bon, peut-être que je me trompe. Alors, j'ai cru entendre un bruit, c'est pour ça que je... Ah, mais faut tout les désamorcer en fait. J'ai vu la caisse bouger, j'ai dit c'est bon, c'est mort. J'y étais, bande d'enfoirés. Oh putain. Ouais, en fait, j'ai aperçu pendant la relecture de l'autre vidéo que là, vous avez juste marqué un logo, marqué chargement. Et en fait, non. Moi, je suis dans un... je sais pas, on dirait une rue en ruine. Je vois pas trop le fond, ça fait du brouillard noir et tout. Et en fait, j'ai la carte qui est complètement devant moi, qui est en full 3D, genre holographique, et je vois où je me trouve, en fait, sur la carte de la ville. Oh putain, faut tout que je refasse. J'hallucine. Oh, je suis deg. Sincèrement, non, surtout pas. Ça, je prends. Celle-là, je vais la laisser. Je suis en train de penser à une connerie. Bon, il fallait que j'essaye. Hein. Non, non, mais pour lui, il considère qu'on a marché, donc c'est foutu. On recommence. On recommence. Faut vraiment y aller tout doucement. Et là encore, j'étais pas serein. J'ai peur que ça... Voilà. Ça fout un coup. En fait, c'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Ça a mis un coup comme ça. Putain. Sans déconner. Et encore, là, faut que je me méfie. Parce que là, si je mets un coup dans celle-là, ça pète. Hein. Non, c'est une blague, faut quand même que j'aille la désamorcer. Voyez, ouais, non mais... Oh.
Putain, toi. Faut que... Il faut que j'aille la désamorcer, j'hallucine. Allez, on va y aller tout doucement. Oh mais non! Putain! Mais c'est quoi? C'est le bout de mon poignet qui a touché. Non mais sans déconner. Oh là 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 là. Mais merde! Ça, vous avez la tremblote où il y a une pile qui déconne, où il y a un problème de captation, là c'est bon, c'est foutu. Hein. Enfin, c'est. Jamais vous pourrez passer ce truc-là. Hein. Putain, mais. Mais qu'est-ce qui. Va pourquoi, et là ça marche. Ce que j'ai fait tout à l'heure, et là ça marche. Ah ouais, non mais c'est que je suis obligé d'aller désactiver les autres. En fin de compte, je suis obligé de tout couper, hein. On en revient même, hein. Faut pas que je passe ma main devant. Mais putain, mais tout à l'heure, j'ai fait gaffe à ça, hein. Franchement, j'y croyais plus. Hein. J'en ai pas oublié une, hein, parce que là, c'est bon, quoi. J'espère que c'est fini, ces conneries. Hein. Ah oui, alors, faudrait pas que je fasse péter une bonbonne de gaz par erreur, par contre. Je l'ai même pas vu que c'était là. Bon, ça, c'est encore eux. 38, hein, j'ai presque assez pour l'optimisation du pompe pour charger les grenades. Mais je fais quoi moi maintenant avec ça? Oh là là. Y a un truc là-bas. Il y a aussi des emmerdes là-bas. Alors, est-ce que je fais une pierre deux coups? Ben ouais. Je vais pas avoir trop le choix, hein. Non, mais j'hallucine. Ça a marché.
Ouais, non mais j'ai récupéré ce qu'il fallait. Allez, hop, on bouge pas. Parfait. Et d'ailleurs... Encore? Oh putain. Oh non mais c'est que là ça va chauffer. Là. Je vais sauvegarder, hein, parce que là... Là, c'est sûr que ça va péter, là. Adios. Vous êtes combien maintenant? Oh putain, j'hallucine. C'est vide. Elle a bien fini à voir son cul. Enfoiré. Ouais. Enfoiré. C'est bon. Plus qu'une balle en chargeur. En magasin. We can take a shortcut through that building. Okay, I don't see a way into this building, so I'm gonna look around. What is this place anyway? It's a distillery. They made vodka and things like that. Is vodka good? Oh God, no. Russell doesn't like vodka. Got it. Well, I never said that. But it's not good. It's poison. But I love it. Everyone loves it. Okay, that's all very confusing. Let me figure out how to get in, and then I'll find you some. Wonderful if you could, actually, yes. Ouais, bon bah ça on verra après. Merde, il y avait encore une grenade. Non mais là en plus je marche à 2 km/h. Ouais bon là c'est uniquement pour nous faire passer là. Je vais voir ce qu'il y a à déverrouiller là-dedans. Allez, le jeu de la boule. La boule et les emmerdes. Et quand vous voulez, hein. Bon, mais ce que je vais faire... Ça sert pas à grand chose parce que je suis déjà full vie, mais bon. Ah, puis il y a le bug. Alors ça, c'est pas la première fois que ça arrive. J'ai l'impression que ces saloperies là, elles sont compatibles que dans une certaine zone.
Et vu que moi j'arrive à les garder sur plusieurs zones, bah là je peux pas m'en servir. Donc ça servait à rien du tout en fait que je garde ça. C'est pas très grave parce que je le fous à la place. Si j'y arrive. Voilà. Ça c'est un morceau de drone, on s'en fout. J'explore un petit peu la zone là. Non, il n'y a rien. Pour l'instant, j'ouvre pas. C'est vrai que oui, après on peut tricher en se téléportant pour aller plus vite. Je sais pas, c'est quand même dommage. Oh, j'espère qu'ils sont morts. Oh. Elle est bien la petite blague. Que je peux le buter lui. Ouais. Merde, je suis à court. Ah, j'ai pas vu, il y avait un truc avec la langue là. Ah, ben voilà. Et là, le truc de santé, comme par hasard, il est là. Ah, puis il y a un fabricateur. Il faut que j'aille là-dedans. 40. Ah, ben j'ai l'optimisation en plus. De toute façon, je reviendrai là parce que je vois qu'il y a des commandes. On va aller chercher ça là. Et normalement il y avait un objet dedans. Oh putain, il est tombé sous la palette. Merde. Bon bah tant pis. C'est ma faute. C'est pas ma faute à moi. Non. Ouais. On va essayer de runner comme ça. En mode speedrun. Speedrun VR. En mode gerbe online. Hop, hop, hop. Là. Hop. Hop. Putain. Pan, 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 pan. Voilà. Là, bien sûr, ça paraissait. Oh non, ça sent encore le truc électrique, ça. Non, c'est pas vrai. Donc là, ça va pas marcher alors. Ben non. Alors ça, oui, ça c'est un coffre. C'est encore l'énigme avec la boule. Merde. Ça, je prends. Ça, je prends. Ça, je l'ai vu tout à l'heure, je sais plus. Oh, putain! J'étais en train de me dire, c'est quoi ce bruit? Je l'ai pas vu. Ça fait peur ce con. Hein. Toi, t'es en train de me dire là qu'il va y avoir. Hein. Voilà. J'allais dire, t'es en train de me dire que là, toi, il y a des ennemis.
Comme ça, vous verrez le drone. J'hallucine. Mais putain, mais fou, quand il va faire le tour. Quand tu veux, hein, tu recharges ma mitraillette. Hein. Allez, montre-toi, toi. T'es où, là? Saloperie. Putain, j'hallucine. Ça, c'est armé. Ça, c'est plus armé. D'habitude, je peux en mettre 7. D'accord. J'ai voulu balancer ma grenade. Bon, bah tant pis, elle est pas sortie, c'est pas très grave. C'était en bas, je crois. Et ils ont même pas un truc à me filer. Ouais, mais si, c'était là. Ah ben là, ça marche, là. Mais n'importe quoi, hein. Tout ça parce que, si ça se trouve, j'ai découvert l'autre de tout à l'heure, donc... Quoi? Ah non. Putain, mais ouais, mais les gars, mais je peux pas gérer partout, moi. Oh. Je m'attendais pas vraiment à ça, merde. Toujours l'effet de surprise, hein. Parce que là, putain, j'avais pas trop mal géré, mais ouais, mais je peux pas me planquer. Putain, faut que j'utilise la téléportation, tant pis. Hein. Parce que là, je me fais avoir à chaque fois, quoi. On va recharger tout ça. Ah, c'était pas un bug, c'est que ça rechargeait le bordel en même temps. Oh putain, ils sont déjà là. Je l'ai dit, j'allais... Je vais m'en servir. Mais putain, mais ouais, mais tu peux pas recharger, sélectionner l'arme, te téléporter. Tu peux pas gérer en même temps. Il n'y a pas de mode sprint. Tu peux pas, tu peux pas. Le jeu, il est fait pour tout sauf des gunfights comme ça. Hein. Putain, ça, c'est le point noir du jeu, ça. Ça, c'est ça. Les gunfights. Quand ils arrivent, ils font le tour,
ils se mettent tout autour de vous là, et mais c'est mort quoi. C'est pas du tout. On peut pas. Donc si on a la manette trop près de soi, donc on voit même pas quand on ouvre le HUD pour changer d'arme. Donc on est obligé de reculer la manette comme si on visait. Après il faut sélectionner, donc faut bouger la main droite avec le contrôleur en même temps. Non mais là. Allez, on recommence. Donc en fait je recharge le fusil à pompe qui me sert pour l'instant pas grand chose. Ça servira uniquement en cas de combat rapproché. Bah, je vais garder ça du coup, hein. On recommence. Mais merde! Ah, oh, c'est pas possible ça. En fait, voilà. La connerie, c'est ça, quoi. Regardez-moi ça. Mais c'est... Et l'autre là, il va débarquer d'où là? Parce que moi, je veux voir. Ah, il débarque de là, d'accord. Alors lui, il est prenable. Putain, mais quoi? Mais je suis à out! Je pensais à un truc, j'ai le pompe. Mais arrête de me flag! Pas possible, il y en a un autre là. Faut y aller à la bourrin en fait, hein. Quand vous voulez vous organiser, mais c'est même pas la peine. Ah putain, faut pas que j'oublie d'aller voir en hauteur. Et puis, non mais les mecs, ah ouais, il y a une autre grenade là. Il drop pas grand chose hein, quand même. Franchement, c'est juste abusé. Hein. Oui, mais non, mais oui, mais c'est bon, là, allez, ça me gave ça. Hop là, voilà. Est-ce que je me mets de la santé tout de suite? Non. On va d'abord faire ça. Alors, dessine-moi un mouton. Ça va être quelque chose comme ça. Ça, je sais pas trop en fait. T'as pas à me faire croire que l'autre est rouge? Voilà. Celui-là, c'est évident, c'est comme ça. Lui. Voilà. Hop. À boule le lance-grenade, parce que là. Mais j'ai dit oui! Oui! Voilà, ça j'ai plus rien. Elle me dit pas que c'est juste pour porter une grenade, hein, parce que là ça va pas le faire. Vu le tarif, il y a intérêt que ce soit net. Je peux en porter qu'une. Non mais j'hallucine. C'est ça? Oh putain, c'est de la merde. Bah je vous la recommande pas. Oh non.
Oh, c'est de la merde. Mais je vais au moins récupérer une grenada. Ouais, alors avant de déverrouiller là, moi, je vais me remettre de la vie parce que là, enfin j'espère que je peux, mais ça c'est pas dit. Je peux l'enlever? Je m'en doutais. Alors est-ce qu'il faut refermer? Non, non, je peux pas l'enlever. Allez. Putain, mais c'est mal branlé. Hein. Voilà. Ouais, ouais, c'est bon, allez, in the pocket. Voilà. C'est bon, j'ai compris. Alors, j'ai balancé ma grenade vers là, je sais plus trop où. Ça se trouve, elle est tombée à travers le... Non, elle est là. C'est bon, j'ai rien dit. Hop, allez, hop, hop, hop. On va se manier un peu, là. Ça me saoule. De toute façon, on va pas tarder à s'arrêter. Hein. Ah oui, non, j'ai dit... Mais doucement, avec les grenades. J'ai dit, là, il y a un truc, là. Ah. L'énigme d'électricité. Alors, en bas, j'ai quoi? Ouais. Ah, ça, ça sent le courju, ça. Ouais. Non, ça s'ouvre pas, ça. Bon, bah... Mais, tu vois pas que... C'est bon? Ça a l'air d'être bon. Et stop les ennemis là. Oh d'ailleurs ça me fait penser, merde j'ai pas été là. Et je sais pas pourquoi il s'énerve là, il balance ses grenades maintenant. Oh là. D'accord j'y vais. Mais moi je vais faire comme pour de vrai, j'y vais dedans d'eux en vrai. Pourquoi là je peux pas? J'arrête. Oh. Ouais, non, faut peut-être pas trop en demander quand même. Ah, mais en fait, c'est... Ah, mais non, mais c'est la suite du niveau. Ouais, d'accord. C'était les portes. Oh, merde. Oui, oui, je vais descendre. Fais-moi descendre d'un coup, merci. Ok, d'accord. Donc, en fait, ouais, on va actionner ça. C'est pour ça que c'était de couleur jaune. Ah ouais, donc, en fait, là-bas... Non, non, bah, ok, ouais. Non, mais j'ai été voir, mais ouais, non, non, mais y'a rien. Hop. Putain, ça, c'est une caisse. C'est une caisse avec un truc dedans. Voilà. J'ai reconnu. De toute façon, elles sont bien spécifiques, ces caisses-là, et vous les avez dans... Dans Half-Life 2... Et encore le jeu de l'électricité. Tu vas pas me dire que j'ai pas mis le jus là quand même. Non mais c'est une blague. Il y a le jus là. Putain non, power est rouge. Je sais pas d'où ça sort. Non. Alors, il me faut le câble rouge. Bon, on va aller voir. Ouais, mais voilà. J'ai pas de câble rouge. Le câble rouge. Mais là, il m'a dit que c'était OK. J'ai une boîte de dérivation verte. Bah ouais, j'ai un câble qui... Mais non, mais ça, je l'ai câblé, ça. Je l'ai fait tout à l'heure.
Oh, il y a un truc là, je passe à côté. Mon détecteur marche toujours, hein. J'ai l'impression. Oui, il marche toujours. Mais tu dis, mais. Fous-moi le camp, toi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce bordel là? Oh, il y a des bêtes! J'ai vu une bête! Merde. Ça a pas l'air très gentil, ça. Ah, j'ai du jus là. Mais ouais, mais les gars, si je peux pas passer la main. Moi, je veux bien hein, faire l'énigme. Hein. De toute façon, là, je sais que j'ai du jus, donc. Et ça va au boîtier rouge. Il va y avoir une putain de jonction au boîtier rouge. C'est ça parce que tout à l'heure. Ouais, voilà. Voilà. C'est aussi con que ça. Du coup, je sais plus où j'ai mis mes grenades, mais bon, c'est pas grave. Extend. Raise. Je pense qu'on est au milieu là. Ça, je peux pas appuyer. Ah yes, j'ai pu récupérer les balles que j'avais paumées tout à l'heure. Putain. Chut. Mais les grenades là, ouais, je sais pas où elles sont. Eh oui, je m'étais laissé un truc de santé. Ben. J'avais complètement zappé ça. C'est pas mal ça. Non, je sais plus, la merde, je sais même plus ce que j'ai foutu de mes grenades. De toute façon, je vais pas pouvoir. Ça sert à rien que je me fasse chier. J'en ai déjà une sur moi. Ah bah ouais, elles sont là, mais. Je fais comment là pour monter là? Ouais, voilà quoi. Moi je veux bien, hein, mais. Ouais, non, c'est pas la peine, allez. C'est pas la peine, c'est pas la peine. Ah mais il monte d'un coup, ah non mais là. C'est un demi-bug. Ah, vous m'avez fait peur. Moi je bouge plus rien. Allez, là, il n'y a rien. Ça. Ah bah ça c'est statique, je ne peux pas le bouger. Je sais pas pourquoi. Ouh, c'est salle de contamination, ça. Quand il y a les espèces de draps. Ah, ben voilà, le niveau est fini. Sauvegarde et puis de toute façon nous on s'arrête là et puis bon on se donne rendez-vous pour la suite. Alors c'est toujours délicat pour trouver le clavier, donc voilà, allez, à la prochaine pour un nouvel épisode.